Hello mes amours, j'espère que vous allez tous bien chez vous, que tout ce que vous êtes en train d'entreprendre est en train d'avancer, que votre santé est au top, que vous vous portez bien. J'espère vraiment de tout cœur. Pour celles qui sont en train de passer des moments difficiles, dites-vous que tout problème a une solution mes amours. Mais vraiment mes chéris, mais vraiment, tout problème a une solution. Mais tout problème, il faut vous le répéter dans votre tête. La solution, on la trouve toujours. Ça viendra. Ça va venir. Au moment où vous n'allez pas y penser, ça arrivera plus vite que vous le croyez, mes chéris. D'accord? Ça va aller. Il faut avoir beaucoup de courage. Il faut avoir de la persévérance. Beaucoup d'espoir, mes chéris. Vraiment, c'est tout ce que je vous souhaite. Ça ira, mes amours. D'accord? Chez moi, ça va également par la grâce de Dieu. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue dans notre famille Talibouti. Pour ceux ou celles qui me suivent déjà, je vous dis tout simplement merci, merci beaucoup de partager mes vidéos. Merci, ça me touche énormément. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin que vous soyez au courant de toutes les vidéos que je sors. Aujourd'hui, mes chéris, je viens vous parler sérum. Oui, je viens vous parler sérum hydratant. On connaît les sérums éclaircissant, on connaît des sérums éclatants, sérums à la vitamine C. On connaît plusieurs types de sérums, mais sérum hydratant, on n'utilise pas souvent. Et aujourd'hui, je vous ai dressé une petite liste de mes sérums préférés, mes chéris. Moi-même, je ne connaissais pas l'existence. C'est juste que je vais vous expliquer mon histoire. Alors, j'avais une peau qui était grasse. Mais surtout, ce qui m'est dérangé, c'est qu'elle brillait trop. Mais j'hydratais. Hein. Plus elle brillait, plus j'hydratais. Plus j'utilisais des produits de plus en plus riches. Vous voyez? Et un jour, lors d'une conversation avec une dame, je discutais avec elle et elle m'a dit « Mais pourquoi tu n'utilises pas des sérums hydratants ?» Je lui ai dit « Mais c'est quoi des... Ça existe ça ?» Elle m'a dit « Bah oui, il y a des sérums hydratants que tu peux utiliser les matins. Tu vas voir que ça va... Comme les sérums, c'est des concentrés. » Tu vas voir que ça va booster ton hydratation et tes brillances là vont commencer à diminuer. J'ai dit d'accord. Donc du coup, j'avais pas envie d'investir beaucoup d'argent hein, pour un truc que je connaissais pas. Du coup, je suis allée en grande surface, j'ai acheté un sérum concentré Mixa. Il coûte vraiment pas cher, peut-être 6 euros. Mais qu'est-ce qu'il est efficace ce sérum, mes chéris. Oh là 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 là, je l'ai toujours chez moi. Mais toujours, hein. Celui-là, je l'ai toujours chez moi. J'en ai d'autres, mais celui-là, c'est mon préféré parce que c'était mon premier et il avait marché pour moi. Au bout d'une semaine d'utilisation, donc je tapotais parce que les sérums, ça ne se frotte pas. Donc, j'ai tapoté sur mon visage tous les matins avant ma crème hydratante. Donc, je nettoie mon visage avec les savons, les lotions, nanana, tout le tralala. Et après, je tapotais ma peau avec le sérum hydratant. Je laissais un peu quelques minutes et je mettais ma crème. Mais vraiment, au bout d'une semaine, j'ai vu... La brillance commençait à s'enlever et tout ma peau était devenue plus vivante. Plus... En tout cas, j'avais un beau teint. Depuis, je ne quitte pas mes sérums hydratants. D'accord? Mais vous pouvez l'utiliser le soir si vous en avez le besoin. Et le sérum les sérums, ça peut se cumuler. Vous pouvez avoir un sérum éclaircissant, un sérum hydratant. Mais par contre, vous ne les mettez pas tous dans une main et vous frottez. D'accord? Vous faites, je ne sais pas si tout le monde connaît la méthode layering. C'est en fait le millefeuille. Donc vous mettez d'abord, par exemple, je ne sais pas, vous commencez par votre sérum hydratant, vous attendez 5 à 10 minutes, après vous mettez votre sérum éclaircissant, vous attendez, vous mettez votre crème. En fait, c'est le millefeuille quoi. Donc vous avez beaucoup de produits, mais vous ne les utilisez pas tous en même temps. Vous laissez les actifs agir quelques minutes, après vous rajoutez l'autre actif, après, donc voilà. Vous pouvez utiliser aussi cette technique. Moi, le matin, ça me convient. Si le soir, par exemple, lors des peelings, si j'ai fait des peelings pour mon visage et tout, là, j'utilise matin et soir. D'accord? Mais sinon, les matins, moi, ça me convient. Parce que moi, j'hydrate ma peau les matins. Donc, les matins, moi, le matin, pour l'instant, ça me convient. Donc, je vous ai fait une petite liste de mes sérums préférés que j'ai déjà utilisés, que j'aime bien. Si toutefois, vous avez utilisé d'autres marques, vous pouvez toujours me faire partager afin que je puisse découvrir dans les commentaires, mes amours. D'accord? Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous aime très, très, très fort. À bientôt. Bisous.